Je suis né à Barcelone en 1935. La guerre civile éclate 2 ans après. Mes parents habitent là-bas. Mon père a une double casquette, c'est-à-dire que comme il est suisse, je pense qu'il devait être ingénieur électricien, un truc comme ça à la base. Mais en plus, il avait des fonctions. Il représentait la Croix-Rouge suisse en Espagne et il avait des fonctions consulaires aussi. Parce que on n'était pas, il n'y avait pas des consuls attitrés. Donc c'était uniquement des gens qui. Maintenant, ça s'appelle consul honoraire ou des choses comme ça en France, hein, je crois. Donc, je suis né en 35 et en 37, on a été obligé de partir très très vite, très très vite. Et on est revenu en France et à ce moment-là, mes parents se sont retrouvés à 7 et au titre de la Croix-Rouge, mon père a sauvé avec ma mère environ 500 enfants espagnols qui sont venus s'installer à 7. On a d'ailleurs récemment, je crois que je t'ai montré récemment, la plaque qui a été faite en l'honneur de mes parents, les Espagnols qui sont reconnaissants. Et après, ma mère a continué, après les Espagnols, ça a été les parachutistes anglais, les familles juives. Elle faisait équipe avec Laure Moulin, la sœur de Jean Moulin, à Montpellier. Je fais mes études à Montpellier, je suis au lycée à Montpellier. C'est la sortie de la guerre. Et vers 14 ans, mon grand vœu, c'était de devenir footballeur. Bon, comme beaucoup de gosses. C'était la grande époque en fait, ça a toujours été le football, ça a toujours été quelque chose de très populaire. Et ma mère, voyant que j'étais très intéressé par le foot, elle a découvert qu'on habitait juste à côté du conservatoire. Elle m'a dit, écoute, j'ai vu qu'il y avait des cours de solfège 3 fois par semaine, 2 heures. Je t'ai inscrit au solfège. Et donc, je me suis retrouvé au conservatoire de Montpellier, que j'ai visité encore récemment, là. Et au bout de 3 ans, je faisais que du solfège. Je jouais de rien. Et le directeur m'a fait appeler ma mère en disant, écoutez, d'habitude, les gens, ils savent de jouer dans des instruments, mais ils sont mauvais en solfège. Lui, c'est le contraire. Il faut qu'il joue d'un instrument. Alors, de quoi tu veux jouer? Et alors, il y avait le secrétaire du conservatoire qui était trombone. Il avait 2 élèves et s'il avait eu un troisième, il aurait pu avoir un plein temps. Il me disait, ce serait bien le trombone à l'armée, on est au premier rang. Bah, très bien, oui. Et il y avait un hautbois à prêter, puis une flûte. Et j'ai regardé la flûte, ça se mettait dans la poche. Je lui ai dit, ça c'est très bien. J'étais peut-être un peu flemmard, mais en attendant, bon, j'ai choisi le bon instrument. Et puis, donc, j'ai tous mes prix de flûte à Montpellier. Et à ce moment-là, je viens d'avoir 18 ans. Mon père me dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je dis, je vais faire de la musique. Bon, bah, écoute, si tu veux faire de la musique, moi, ça ne me plaît pas trop. Hein, bon. Mais tu te débrouilles. Hein. Il n'était pas chaud, chaud, chaud. Tu vois. Donc, il me dit, écoute, bon, j'ai un ami général. Il m'a dit qu'il pouvait te faire entrer dans une musique militaire à Paris. Comme ça, tu feras tes études à Paris, tu verras si tu peux rentrer au conservatoire. Enfin, il savait pas très bien comment ça se passait, ça, c'était pas son domaine. Donc, je me retrouve à Paris avec une lettre de recommandation d'un général qui était à la retraite à Montpellier. Et il m'envoie chez un général, je téléphone, et la secrétaire me dit, voilà, rendez-vous tel jour, à telle heure, soyez bien précis, parce que, bon, je me souviens, c'était 19h30 précise, dans le 16e, je sais plus où. Et donc, elle me fait rentrer, elle dit, général va venir, et je vois arriver un monsieur en smoking, avec des décorations comme ça pendait de partout. Il s'appelait le Gérard Salan, qui est devenu très célèbre par la suite. Et donc, il m'avait fait préparer une lettre pour le capitaine Avignon, qui était le chef de musique d'une caserne qui n'existe plus, qui était à la porte de Clignancourt. Et je me suis retrouvé dans cette musique pendant un certain temps. Mais le problème, c'est qu'on était 6 flûtistes, il n'en avait besoin que de 3. Bon. Donc on a fait un concours interne, où malheureusement, j'ai fini 4e. Et je me suis retrouvé, du coup, on m'a versé dans une autre musique. Et alors là, c'était une musique qui avait un nom célèbre, parce que c'était la musique de la 2e DB. Moi, le fait de m'être engagé à 18 ans, à 21 ans, je suis sorti de l'armée. Et plutôt, mes copains sont partis en Algérie. J'ai eu de la chance, tu vois. Donc, au concours interne qui avait eu lieu, il y avait un monsieur qui est en photo là, qui s'appelle Eugène Bouteleux. Ce monsieur était au jury et il est venu me voir et il m'a dit, tu sais que tu joues bien? Je dis, ben, je sais pas, moi, mais c'est à vous de juger. Il me dit, je voudrais te donner des leçons.
Je dis, vous savez, je n'ai pas les moyens. Il me dit, non, non, je ne te parle pas d'argent. Tu viens chez moi, je te donne l'essence, c'est gratuit. Bon, et j'ai été chez ce monsieur, c'est grâce à lui que je suis rentré au Conservatoire de Paris. En 60, 61, premier prix de flûte en 60, premier prix de musique de chambre en 61. Et avec ça, eh bien, je me retrouve en France, pas au chômage, mais presque, professeur dans une petite école, quelques petits remplacements de temps en temps. Mon premier enregistrement, alors ça j'oublierai jamais quand même. Un jour, c'est un de mes amis qui est là, qui s'appelle Derry Hall, un Américain. Il avait fait la musique d'un film. Et il y avait un acteur célèbre qui jouait dans ce film. Et moi, j'ai été enregistré avec lui des poèmes. Il s'appelait Gérard Philippe. C'était extraordinaire. Et Maria Cazares, qui est deux immenses comédiens. Le charlatan crépusculaire, ça s'appelle. Ça, c'était ma première approche avec l'enregistrement, le son. Je me suis dit, ça me plairait bien d'être dans ce milieu-là plus tard. J'ai rencontré un garçon qui s'appelait Bernard Dimet, dans un bistrot, parce que c'était son truc à lui. Moi, je buvais un café, lui, il buvait un coup de rouge. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, moi, je suis poète. Et toi, il me dit, moi, je suis musicien. Bah, écoute, on est fait pour s'entendre, hein. Total, on n'a jamais écrit de chansons ensemble, mais il m'a présenté à son pote Francis Lay, avec qui il faisait des chansons. Ce cher Francis qui vient de nous quitter il y a un mois à peine. Voilà. Et qui sont mes amis de ma jeunesse. Et Bernard m'a introduit dans le. Il m'a amené dans une maison d'édition qui s'appelait Tutti, qui appartenait à Philips, où j'ai rencontré un monsieur charmant, qui a été devenu mon parrain quand je suis rentré à la SACEM, qui était Georges Delerue, le grand compositeur Georges Delerue. Qui m'a présenté lui à Michel Vauquer, avec qui j'ai fait mes premières chansons. Alors Michel Vauquer venait juste d'écrire Non, je ne regrette rien à Édith Piaf. Et la première chanson que j'ai écrite avec lui, il m'a emmené chez Piaf. Piaf m'a dit, mon petit, je vais te faire ta fortune, je vais te chanter ta chanson. Et je l'ai entendu une fois chanter par Piaf, accompagné au piano, et il est mort 3 mois après. Ça s'appelait C'est toi qui m'as appris. La vie est bizarre. Quelques années plus tard, je suis directeur artistique chez Pathé Marconi. Je suis obligé de sauter pas mal d'années là, mais parce que ça s'enchaîne. Mon président m'appelle et me dit, Monsieur Loresch, j'ai un artiste qu'on veut aider parce qu'il est il est en galère, si j'ose dire. Il s'appelle Théo Sarapo. Donc je le reçois, je lui trouve des auteurs, des compositeurs, des arrangeurs. Et 3 mois après, je m'occupe de lui, oui, mais je m'occupe de son enterrement. À cette époque-là, à travers ma bande de copains de Montmartre, puisque j'habitais place Clichy, avenue Clichy, je rencontre un garçon qui s'appelait Billy Nancioli, qui était le seul de la bande à avoir un peu réussi. Il avait déjà son appartement et tous les vendredis soirs, on se retrouvait chez Billy avec sa bande. Et sa bande, c'était des garçons dont je vais citer le nom parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas beaucoup plus que moi. Sauf qu'ils étaient dans une. Ils venaient de famille. Les Tallard venaient de famille qui étaient déjà dans le showbiz. Il y avait Norbert Saada, qui par la suite a été directeur artistique de Mireille Mathieu, si je me souviens bien, chez Barclay. Et par la suite, il est devenu le producteur de Sergio Leone. Il y avait donc Charles Tallard, qui par la suite a été le producteur de Notre-Dame de Paris et de Stone et Chardin. Que j'ai retrouvé, et qui étaient mes voisins quand j'habitais dans le 16e, étaient mes voisins du dessous. Et je voyais tous les jours Charles qui venait chercher Chardin pour l'emmener à l'édition, pour le faire travailler, parce qu'il était un peu cossard. Il était un peu cossard. Il y avait Régis Tallard, son cousin, avec qui j'ai monté une première édition. On avait monté une édition, on était toute la bande de copains, une édition qui s'appelait Marine. Et on était hébergés chez Barclay. Et puis, il y avait surtout hein, un garçon qui s'appelait Jacques Revaux. Jacques Revaux, le petit compositeur qui a fait My Way, qui a fait des centaines de chansons célèbres. Une réussite fantastique. Jacques est toujours aussi simple, aussi gentil. Et lui, il avait un gros avantage par rapport à nous tous, c'est que son père avait une boucherie et que le vendredi soir, il arrivait toujours avec. Son père lui avait donné de quoi nourrir ses copains. Et c'était très sympathique. Et nous, on se cotisait pour acheter le vin. Voilà. Ça, c'était ma jeunesse, c'était 62-63.
Et Jacques Revaux, un jour, parce qu'il était très copain avec les gens de la Villa d'Est, et il m'emmène dans le café qui était attenant à la Villa d'Est et qui appartenait au même propriétaire. Et là, j'étais en train de boire un verre avec lui, et il arrive un garçon qui me présente, qui s'appelle Daniel Girard. Qu'est-ce que tu fais, machin? Ben, je suis musicien, et tu travailles où? Ben, je bricole un peu, je suis professeur dans une école de musique, je fais de temps en temps des remplacements. Je commençais à faire des remplacements déjà à l'Olympia. Il me dit, écoute, moi je monte une émission d'édition en ce moment, j'ai besoin de quelqu'un comme toi qui connaît la musique, parce que j'ai besoin de quelqu'un aussi pour écrire les partitions, comme j'avais fait aussi un peu avant, une fois avec Jean Ferrat, qui m'avait été présenté par la mère de Michel Legrand, qui m'avait présenté Jean Ferrat, et donc son producteur, Gérard Metz, avec qui j'avais écrit quelques chansons, j'avais fait les partitions pour la SACEM avec Jean Ferrat. C'est une belle rencontre, ça. Un homme très intéressant. Avec Daniel Gérard, je lui ai aidé à monter Dany Music, son édition qu'il a toujours d'ailleurs. Et c'est là où j'ai commencé à écrire des chansons. J'ai vu comment Daniel écrivait les siennes. Je me suis dit, mais dans le fond, je me suis acheté une guitare, j'ai appris à faire trois accords et j'ai fait une petite maquette. Je me souviendrai toujours, il y a un éditeur belge qui était venu à l'édition chez Daniel, qui s'appelle Marcel de Keckler, qui par la suite a été le producteur et l'éditeur surtout des Sunlight et surtout de Born to Be Alive. Patrick Hernandez, un tube mondial, et de la danse des canards. Marcel a été un truc extraordinaire. Et donc j'avais fait une petite maquette avec quatre chansons dessus, sur un souple, ça s'appelait comme ça à l'époque. Marcel, il dit à Daniel, bon, alors celle-là je la prends, celle-là je la prends, celle-là je la prends. Il achète toutes mes chansons, il les paye. Je lui dis, mais ça vaut de l'argent mes chansons. Ben oui. Ah bon. Mais je lui dis, mais personne ne les a chantées. Ça fait rien. Sur les quatre, j'ai eu Romuald qui m'a chanté une chanson, Romuald on l'appelait Zavata parce que c'était le neveu du clown Zavata, mais il était premier prix de saxo du Conservatoire de Paris. On s'était bien entendu justement parce qu'on avait les mêmes diplômes tous les deux. Michel Thor m'a chanté Viens allons danser, Dalida m'a chanté Je t'appelle encore, et il y a eu Hervé Villard dont je me suis occupé à ce moment-là parce que j'ai fait la. Daniel lui avait écrit Fais-la rire et mourir ou vivre, qui ont été les deux succès d'Hervé juste après Capri. Et donc, je me suis retrouvé. Toutes les chansons que Marcel avait achetées, elles ont toutes été enregistrées. Il avait un pif extraordinaire, cet homme. Quand je parle de toi, je les ai écrites avec Ralph Bernet. Ralph Bernet, c'est celui qui avait quand même qui a fait beaucoup de tubes. Et entre autres, il a fait l'Idole des jeunes à ce moment-là. C'était à cette période-là. Mais j'ai écrit beaucoup avec un garçon qui s'appelait Daniel Ortiz et qui avait fait un énorme succès qui s'appelait C'est du bonheur de posséder un ange comme ça. Ça s'appelait Un ange comme ça. C'était une très jolie chanson qui avait été un énorme succès à l'époque. Mais vous êtes trop jeune pour l'avoir connue. Chez Daniel, je rencontre un garçon avec qui écrit des paroles. Et je me dis, mais il a vachement de talent, j'aimerais bien faire des chansons avec lui. On avait prévu d'en faire. Mais ça ne s'est jamais fait parce que je suis parti avant. Il s'appelait Souchon. Et avec Souchon, le seul truc qu'on ait fait ensemble, on a fait une publicité qu'on a chantée tous les deux. C'était une publicité pour la collecte pour les aveugles. Mais nous, on n'était pas sourds. Je composais pas la flûte. D'ailleurs, pendant très très longtemps, personne ne savait que j'étais flûtiste. À l'époque, moi, je n'avais pas les moyens de m'acheter un magnétophone. Il y avait très peu de gens qui avaient des magnétophones. Il n'y avait pas les mini-cassettes non plus. Donc les magnétophones, c'était des magnétos assez gros, en 19 cm, parce que les 38, c'était pour les professionnels. Et donc, on avait à l'édition, on avait un magnétophone sur lequel on enregistrait nos maquettes. Ah ben, je composais comme ça dans ma tête. J'ai jamais eu de problème pour trouver des mélodies, moi. Je suis un mélodiste né, hein. D'ailleurs, Georges Delerue, qui par la suite est devenu mon parrain, me disait, tu ferais fortune aux États-Unis parce que ce que les Américains n'ont pas, ce sont des grands mélodistes, comme les Italiens sont des mélodistes. Mais les Américains, c'est plutôt rythmique que mélodique. C'est drôle, mais c'est comme ça. Et donc, j'avais aucun problème pour trouver des thèmes musicaux, mais je suis capable de faire une comédie musicale dans une journée, hein. C'est prétentieux ce que je te dis, mais je fais 10 thèmes facilement dans la journée et des thèmes qui tiennent la route, hein.
Nous sommes à la fin de Daniel Gérard, où j'ai donc fait quelques chansons qui sont enregistrées. Mais Daniel n'était pas très, très généreux financièrement avec moi. Bon, j'avais beaucoup de mal à m'en sortir. Je pars avec lui au Midem à Cannes, qui était le premier Midem. Et là, je rencontre des tas de gens, on vend nos chansons. J'étais très heureux parce que la chanson que j'avais faite à Dalida, Je t'appelle encore, il y a un grand éditeur américain qui l'a achetée très cher, parce qu'il trouvait qu'elle était formidable. D'ailleurs, il m'a fait des beaux enregistrements aux États-Unis. Il s'appelait Harry Goodman. C'était le frère de Benny Goodman, le célèbre clarinettiste qui était une star mondiale à l'époque, Benny Goodman. Et donc, je rencontre plein de gens au Midem, et un jour, je rencontre un monsieur qui est en photo par là. Oh, il est là, tiens, voilà. Que j'ai pas appelé pendant de nombreuses années papa. Papa, c'était Jacques de Marny, qui a été président de la SACEM de nombreuses années, qui était le grand auteur d'Enrico Macias, qui a fait les gens du Nord, cette merveilleuse chanson, grande, grande chanson, un grand auteur, Jacques. On a fait quelques chansons ensemble, et on parle comme ça, et il me dit, bah, écoute, ça m'intéresse ce que tu sais faire, parce que moi, je suis directeur des éditions d'Enrico Macias, mais maintenant, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'écrire des chansons. Et comme je gagne maintenant très, très bien ma vie avec mes chansons, j'ai envie de passer un peu la main. Alors, je vais te prendre pas avec moi comme assistant. Et puis, si ça se passe bien, ben, tu prendras le relais pour diriger les éditions d'Enrico. Hein. C'est ce qu'il m'avait proposé. Mais là, il me proposait en plus un salaire qui était 4 fois supérieur à ce que me donnait Daniel Gérard. Alors, bien sûr, j'ai un peu hésité. Mais comme je n'avais pas de contrat avec Daniel, je pense que je n'étais même pas déclaré, si je me souviens bien. Enfin bon. Donc, je suis parti chez Enrico Macias. Ça a été, et c'est là où j'ai vraiment décollé dans le métier, parce qu'avec des atouts comme j'avais, parce qu'Enrico était devenu déjà très très vite une grande vedette, et Jacques était très connu dans le métier, donc ça m'a ouvert beaucoup de portes. Sauf que très très peu de temps après, ça veut dire 2 ans après, Enrico avait pris d'une envie de changer d'air. Il vend sa maison d'édition, je crois, à Barclay, et il part chez Philips en tant que chanteur. Ou le contraire. Enfin, en tout cas, il y a eu un problème comme ça où je me suis retrouvé, du jour au lendemain, j'avais plus de boulot. Jacques me dit, ne te fais pas de soucis, je vais te trouver du boulot. Avec tes compétences, tes diplômes, tout ça, ça intéressera tout le monde. Et il me dit, j'ai rendez-vous avec le directeur de production de chez Pathé Marconi. Bon, on arrive chez Pathé Marconi et je rencontre un monsieur qui s'appelle Pierre Bourgoin. Pierre Bourgoin, il me regarde et me dit, mais le Reich, mais vous êtes parisien? Je dis, non, ça fait quelques années que je suis à Paris, mais j'ai fait mes études à Montpellier. Il me dit, Edmond Le Reich, vous connaissez? Je dis, bien sûr, c'est mon père. Mais il me dit, mais vous êtes venu me voir à la radio avec votre papa, c'est votre père était mon ami. Alors c'est drôle, bon, donc je suis engagé illico presto chez Pathé Marconi, et là, du jour au lendemain, je me retrouve, on me dit, voilà, on a deux directeurs artistiques qui viennent de démissionner, on va vous confier, alors, un monsieur très très célèbre, mais comme vous êtes musicien, ça va certainement bien se passer, mais alors, on va vous le présenter, mais on ne dira pas que vous êtes son directeur artistique. Hein. On dira que vous allez travailler avec lui. Alors je dis, il s'appelle comment? Il me dit, il s'appelle Tino Rossi. Je dis, celui qui chante Petit Papa Noël? Oui. Ah, et on vous prévient tout de suite, c'est la grande star de la maison. Quand il arrive chez nous, il dit, mes bureaux, mes escaliers, mes... Et c'était un peu vrai. Et donc, je crois qu'il était propriétaire de l'immeuble de Pathé Marconi. Je ne suis pas sûr, mais j'ai toujours soupçonné. Enfin bon. Et donc, on dit, voilà, la semaine prochaine, il y a un déjeuner à l'hôtel Napoléon, hein, avec Madame Tino Rossi. Donc, on te prévient tout de suite. On lui a déjà présenté 2 personnes, ça n'a pas marché du tout. Hein. Et si tu veux que ça marche avec Tino, il faut que tu plaises à Madame. Ça veut dire intellectuellement, hein, nous entendons bien. Nous déjeunons et Pierre commence à faire mes éloges en disant, voilà, vous allez l'engager parce que c'est un grand musicien à la base, il est
Il a beaucoup de diplômes, et à Saint-Tino, du moment que j'avais des diplômes du conservatoire à Paris, pour lui, c'était. Il aurait tellement voulu que son fils en ait, il n'en avait jamais eu. Bon, hein, il n'avait jamais réussi à passer son bachot, moi non plus d'ailleurs, mais j'en avais eu. Il faut dire quand même que les gens ne savent pas, mais un prix de Paris, c'est bac plus 5. Ça correspond à l'agrégation. Et ça, les gens ne le savent pas. On est sur le plan statutaire, on est considéré comme agrégé dans un domaine. J'ai beaucoup plu, madame, parce que j'étais bien habillé, parce que je m'habillais chez Renova, déjà. Hein? Parce que je parlais français à peu près correctement. Et que elle trouvait que ça ferait très bien dans le et tout jusqu'à la fin de sa vie, elle a été mon amie, tu vois, la femme de Tino. Elle avait vraiment beaucoup d'affection pour moi. Elle savait que son mari me mettait sur un piédestal toujours. Il était adorable avec moi. Alors que quand il aimait pas les gens, il fallait pas insister, ça se savait tout de suite. Donc j'ai commencé ma carrière chez Pathé. Alors j'ai eu donc Tino, j'ai eu Georges Jouvin, j'ai eu Anne-Marie Pesson qui était la star de la télévision à l'époque, la fille la plus photographiée de France avec Bardot. Elle faisait des couvertures toutes les semaines, c'était incroyable. Et puis c'était un amour de femme, qu'est-ce qu'on a pu rire ensemble. C'était la bonne Marseillaise, elle. J'ai récupéré une chanteuse qui avait beaucoup de succès à ce moment-là, qui s'appelait Anne van der Lauve. Elle s'était fâchée avec son directeur artistique. Avec moi, ça s'est mal terminé aussi. Mais je ne raconterai pas pourquoi, mais elle avait un sale caractère, malheureusement. Voilà. Mais elle avait beaucoup de talent. Pierre Bourgoin m'a confié la direction artistique d'un artiste qui s'appelait Henri Tizot, qui était l'imitateur du général de Gaulle et qui était très célèbre à cette époque-là. Et avec qui j'ai passé des moments délicieux parce que qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Il avait une qualité qui est devenue un défaut par la suite, c'est qu'il savait faire que le général de Gaulle. Ça veut dire que quand de Gaulle est mort en 69, non, ou quand il a démissionné en 69, il est mort. Non. Plus tard, oui. Oui, il a démissionné en 69, c'est ça, oui. Et il est mort un peu plus tard. Hein, ouais. Donc quand de Gaulle a démissionné, ça a été la panique générale pour Henri parce qu'il n'avait plus rien à faire. Alors il a essayé d'imiter Pompidou, il s'était même mis des gros sourcils noirs pour enregistrer, pour se donner peut-être l'allure, mais il y avait le ramage, mais il y avait le plumage, mais il n'y avait pas le ramage. C'est ça, hein? Il y avait le ramage, c'est la voix, c'est ça, le plumage. Bon. Donc Henri, il a arrêté sa carrière d'imitateur à ce moment-là. Ensuite, on a continué chez Pathé pendant un certain nombre d'années, jusqu'à, je crois, en 71. Et là, j'en pouvais plus parce que j'avais tellement d'artistes. Tous ceux qui avaient un côté un peu musicien voulaient absolument. J'avais Georges Jouvin, mais il y avait Franck Pourcel qui aurait bien aimé travailler avec moi aussi parce qu'avoir un directeur artistique qui avait un vrai musicien classique qui travaille avec un genre d'orchestre comme avait Franck. Ça l'aurait intéressé. Bon, puis j'avais plein de gens, plein de jeunes qui j'en ai un quand André Salvé, le grand auteur André Salvé, m'avait amené un jour, il m'avait téléphoné, il m'a dit, voilà, c'est le fils d'un de mes amis qui chante, je voudrais que tu le reçois. Bon, donc je reçois, il arrive avec un grand beau jeune homme d'un mètre 85, avec des grands cheveux noirs bouclés. Et on fait des maquettes. Il s'appelait Guy Bail. Je lui signe un contrat et sa chance, c'est que j'ai démissionné 2 mois plus tard. Parce que chez Pathé, on l'a viré tout de suite, parce qu'il n'avait pas encore enregistré. Il est allé voir Carrère et il s'appelait Ringo Willy Cat. Et il a épousé Sheila. Il y avait très peu d'auteurs-compositeurs-interprètes, ça n'existait pas pratiquement. Donc il y avait la panoplie des auteurs, alors il y avait les Delanoë, les Jacques de Marny, les Vidalin, Datin. Datin, c'était le compositeur. Vidalin, il y avait un des paroliers de Bécaud qui était préfet de police, je sais plus comment il s'appelait, qui écrivait beaucoup de chansons aussi. Il y avait Pierre Sacca, Evelyne Buguy, que j'ai commencé à écrire avec elle en 61. Ma première chanson qui s'appelait Caro Caroline, elle s'appelait.
On l'avait écrite pour un jeune chanteur qui s'appelait Le Petit Prince, il avait 14 ans. Et entre le moment où on a écrit la chanson, où on a dû enregistrer la chanson, il avait mué. La fille de la voisine s'appelle Caroline, elle a 17 ans, elle est vieille évidemment. C'était rigolo comme tout, elle n'a jamais été enregistrée la chanson. En 71, quand je quitte Pathé Marconi, je vais voir mon président, je lui dis je suis trop fatigué, je ne peux plus. Non. On me propose, j'ai un certain nombre d'amis, donc un qui s'appelle Jakourevitch, qui était une des stars d'Europe, qui était marié avec la fille de Cocatrix. Et avec des copains, avec plusieurs personnes, on monte un groupe qui s'appelle le Groupe Neuf, donc on est dans un hôtel particulier à Neuilly. Et je vais faire de la production, de l'édition, l'édition de la production. Et je monte une boîte qui s'appelait Solrac Musique. Solrac, c'est Carlos à l'envers. Je commence à faire de la production. Et le premier chanteur, la première personne que j'engage, s'appelle Daniel Beretta. On prépare un disque ensemble. Et ça faisait 8 jours que je l'avais signé. Il arrive au bureau, il me dit je crois qu'il faudra faire un autre disque. Ah bon, je dis, déjà? Il dit oui, parce que je viens d'être engagé par Annie Farg, je joue dans Jésus-Christ Superstar et je fais Jésus. Effectivement, vedette de Jésus-Christ Superstar, Daniel Beretta. Alors là, couverture de match, tout. Par contre, le disque et la comédie musicale dans laquelle j'avais mis quelques argent, ben, j'avais appris quelque part. Un flop, alors que R, ça avait été un succès phénoménal. Tout le monde dit, putain, quel pot, tu vas te rendre compte, tu le signes et 8 jours après, fait Jésus, machin, oui. Ça a été le. Et pourtant, c'était pas à cause de Daniel, parce que Daniel chantait super, mais il était beau comme un dieu. On avait fait un très joli disque. J'ai fait le disque aussi de Jésus-Christ Superstar. Et là, il y avait 60 musiciens. Je peux te dire que ça coûtait une fortune. Heureusement que j'étais épaulé. Alors, j'avais trouvé une clé, si j'ose dire. J'avais rencontré dans un dîner un monsieur, un industriel, qui travaillait dans la serrure, qui faisait des serrures, et qui voulait absolument faire de la production dans le showbiz. Ça le passionnait, il aimait bien rencontrer les artistes. Ça, bon. Donc, ce monsieur qui s'appelait Claude Arnal, on s'est associé, lui finançait, et moi on avait chacun son département. Lui, c'était la finance, moi, c'était l'artistique. En dehors de Jésus-Christ Superstar, qui a été un flop, j'ai rencontré Pauline Carton, qui était encore un personnage truculent, archi connu. Elle avait fait tellement de films, je sais pas, elle en avait fait 200. Elle arrive dans mon bureau, et elle voit qu'il y a un piano, et à côté, j'avais un magnétophone. Elle me dit, bon, ben, tout à l'heure, je te ferai un disque. Ah, bon. On va déjeuner. Bon. Fini de déjeuner, elle mange bien. Et puis, à la fin du déjeuner, elle me dit, bon, je peux téléphoner? Oui, on lui donne le téléphone, il n'y a pas portable. Hein. Bon, on passe le téléphone, elle appuie. J'appelle ma pianiste. Bon, attends, hein. Viens me rejoindre, prends un taxi, et viens me rejoindre à telle adresse. Elle me dit, bon, alors, maintenant, est-ce que je peux faire une petite sieste? Oui, elle avait des chambres à coucher au deuxième étage, dans l'hôtel particulier. Elle monte faire une petite sieste, sa pianiste arrive. Et puis 2 heures après, elle descend, dit, bon, alors on enregistre. Je dis, mais on va aller dans un studio. Non, 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 t'as le piano, t'as le truc qui tourne là, ça, on va le faire là. Bon, et on a enregistré 2 chansons, et on a fait un carton avec, c'est le carte de lire. Hein? Alors elle chantait, j'ai un faible pour l'effort, j'aime les toréadors, tous les matadors. Après, j'ai enregistré un autre monsieur, pour ça que j'en parle aussi, le grand guitariste Alexandre Lagoya. Lui, c'est à la suite d'un pari. On déjeune ensemble avec Alain Marion, qui était le prof de flûte du Conservatoire de Paris, qui était mon ami intime. Et Lagoya me dit, je ne passe jamais à RTL, je ne passe jamais à la radio. Je fais un pari avec Alexandre, je lui dis, Alexandre, je vous compose un morceau, vous l'enregistrez, vous entendez à la radio. Combien vous pariez? Il me dit, un bon gueuleton. D'accord, ok. Il vient, on enregistre un morceau que je lui ai écrit. Et
Moi, je connaissais quand même, je connaissais les codes. Qu'est-ce que je fais? Je vais à RTL, où j'avais plein de copains, et je dis au directeur d'RTL, je dis, je vous donne l'édition du morceau joué par la Goya. Ils ont commencé à le balancer à tout va. Alors c'était bien parce que le classique, bien sûr, c'était toujours des morceaux qui faisaient 8, 10, 12 minutes, ça passait pas à la radio. Mais moi, j'avais fait un truc qui durait 2 minutes 30. Hein? Après, il y a Philippe qui a suivi, il a fait un carton partout. Et c'est d'ailleurs, il y a beaucoup de guitaristes qui jouent encore ce morceau maintenant, là, ça s'appelle L'Aurore. Pendant toute cette période, j'ai écrit des chansons à des tas de gens. J'ai écrit beaucoup de chansons au Sunlight, j'ai continué à écrire des chansons à Michel Thor, j'ai écrit des chansons. Alors, j'ai écrit beaucoup avec des Italiens, parce qu'en Italie, ils aimaient beaucoup mes musiques. J'ai travaillé pratiquement avec tous les plus grands paroliers italiens. J'écris beaucoup de thèmes et puis les gens font les paroles après, très souvent. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une chanson, ça s'écrit comme. C'est un poème, c'est tout de suite, c'est une chanson. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses qu'il faut savoir quand on écrit une chanson, les découpes, il faut que ça soit, ou que ça soit régulier, ou en tout cas que tous les couplets soient semblables. Parce que si on commence à avoir d'un côté. La première phrase, il y a 7 pieds, puis le coup d'après, il y en a 8, et puis le troisième, il y en a 9. Alors, non, il faut bricoler, c'est la musique. C'est pas ça une chanson. Une chanson, c'est un thème, et puis dessus, ça. C'est un petit peu comme remplir les cases quand on fait des mots croisés. Hein. En fait, il y a des cases à remplir, il faut qu'elles soient nettes. Bon. C'est ça une chanson. Ça m'arrive, en principe, je trouve un titre. Parce qu'une fois qu'on a trouvé un titre, la chanson, elle est faite. En général, je donne un titre et je fais le thème. Et après, je laisse les paroliers le faire vraiment. Hein. Ma chanson qui s'est le mieux vendue, le plus vendue en tout cas, qui a été dans les plus hauts, dans les parades partout et enregistrée dans des tas de pays, elle s'appelle Quand on est musicien. Et cette chanson, c'était un orchestral hollandais à la base. Et Marcel de Keckeler, dont j'ai parlé tout à l'heure, cet éditeur belge extraordinaire, vient me voir chez Pathé Marconi et me dit, écoute, voilà, cette chanson va être enregistrée par les Sunlight, dont il était le coproducteur. Il me faut un texte, il faudrait me faire un texte dessus. Bon. Alors j'appelle tous mes copains paroliers avec qui je travaillais. Delanoë, il me dit non. Louis Hamad, qui était préfet de police. J'appelle Monsieur Hamad qui me dit non, ça, elle ne me plaît pas cette musique. J'appelle Pierre Sacca qui me dit bon, d'accord, bon. Bon. En désespoir de cause, j'avais deux petits jeunes qui partageaient un morceau de mon bureau. Enfin, non, ils étaient le bureau à côté, mais on était tout le temps en forêt ensemble. Ils faisaient des chansons tous les deux. Et je leur dis, vous ne voudrez pas me faire un texte? Je leur fais écouter le truc. Je dis, oh, on n'a pas le temps. Je les revois. On avait une cantine au rez-de-chaussée. Je leur en reparle. Je dis, mais j'enregistre demain. Je vais en Belgique, à Bruxelles. Et je n'ai pas de texte. Tous les deux me disent, mais tiens, qu'à l'écrire toi-même. Bon, très bien. Bon, alors, je suis bon. Je vais dans mon bureau, j'écoute le truc et j'écris un texte. Bon. Les deux jeunes en question, il y en a un qui s'appelait Michel Berger. Et l'autre qui s'appelait Claude-Michel Schönberg. Ils ont un peu réussi par la suite tous les deux. Je n'avais pas écrit la musique, j'ai écrit le texte. Alors j'ai écrit le texte, ça s'appelle Quand on est musicien. Et cette chanson, on en a vendu presque 1 million en France. Ça a été énorme. Elle a été enregistrée dans plein de pays après. Avec la même histoire de racontant Quand on est musicien, on fait ça. Hein. L'histoire, c'était tout simple. Parce que dans l'original, qui était un orchestral, il jouait, il soufflait avec du papier à cigarette sur un peigne. Hein, bon. Et c'était ça. Et moi, j'avais écrit, quand on est musicien, on prend un peigne fin et un peu de papier de soie et on joue un thème comme ça. Voilà, c'était tout. Et tous les gens qui m'avaient refusé la chanson, qui m'ont dit, t'as fait fort là. Ben oui, j'ai fait fort, mais je vous l'avais proposé avant, personne n'a voulu le faire. C'était rigolo. Je vais dîner chez une amie et je rencontre une dame charmante qui avait une vingtaine d'années de plus que moi, qui me dit, se présente, Paulette Andrieux, attachée de presse de la Gaumont. Carlos Loresch, compositeur. Ouais. Bon,
On s'assied côte à côte, on boit un Coca-Cola, je ne sais pas quoi, enfin bon. Et elle me dit, vous savez écrire des chansons? J'ai dit oui, j'en ai écrit pas mal déjà. Ouais. Et la musique de film, vous avez déjà fait? J'ai dit oui, j'avais 6, 5, 6 courts-métrages, non, long-métrages. Dont certains films, je les avais fait avec le frère du monsieur qui avait écrit les chansons de Pauline Carton. Il m'avait présenté son frère qui était réalisateur. Alors il faisait des films plus ou moins un petit peu érotiques. Et Mourir de plaisir, il avait fait. Et Mourir de désir. Et Mourir de plaisir, c'est la chanson de Devlin. Et moi, j'avais fait Et Mourir de désir, le film. Alors c'était des films un peu où il y avait des dames un tout petit peu dénudées, mais c'était très soft. Hein. C'était pas encore la période. C'est Giscard qui a, en 71, qui a libéré je crois, qui a autorisé le X. Hein. Bon. Donc je lui dis oui, je sais, j'ai fait de la musique de film, j'ai fait deux, trois téléfilms. Elle me dit parce que j'ai un ami réalisateur qui vient de faire un film qui s'appelle Le Malin Plaisir. Et il n'a pas été content de la musique, le compositeur, il lui a pas fait du tout ce qu'il lui a pas, il a pas écouté ce qu'il lui a demandé de faire. Ce monsieur m'appelle, il me dit voilà, je prépare la suite de Noël aux 80. Noël aux 80, ça a été une série qui avait fait Tel France, qui durait 6 mois, tous les soirs à 8h moins de quart sur TF1. Et moi, ce que j'ai fait, c'est Un jour après jour, qui a été la même chose, 6 mois, tous les soirs à 8h moins de quart sur TF1. Autant dire que Carlos Le Reich, on le voyait tous les soirs sur TF1, en gros, tu vois, musique Carlos Le Reich, il y avait la chanson. Alors les chansons, je les avais fait, on avait fait un truc un peu bizarre. Il m'avait dit, je voudrais les chansons moitié anglais, moitié français. Donc j'avais trouvé une parolière qui savait faire les deux, c'était Véronique Sanson, la sœur de Violaine. Violaine Sanson, pardon, la sœur de Véronique, c'est le contraire. Et Violaine et moi, on a fait les 4 chansons de Un jour après jour, Un day after day. Et ça a été mon début, mon grand début à la télévision. Parce que là, les gens commençaient à me téléphoner, en me disant oh, la vache, c'est bien ce que vous faites, machin. Et Tel France, surtout à Tel France, ils ont commencé à s'intéresser à ma carrière très sérieusement. D'autant que le patron comment dirais-je, de la post-production, il voulait monter une édition à Tel France, mais ça ne savait pas le faire. Et moi, j'avais l'expérience d'avoir monté celle de Daniel Gérard, et donc c'est moi qui ai monté la maison d'édition de Tel France. Alors, j'étais devenu persona grata, et j'ai œuvré chez eux pendant de nombreuses années. Alors, ils m'ont présenté plein d'autres réalisateurs, dont il y avait le nom, mais je crois qu'il y en a eu 50 avec qui j'ai travaillé, bon, c'est beaucoup. Il y en a quelques-uns quand même qui étaient relativement des gens comme Pierre Granier de Fer, c'était quand même des gens bien. Peter Kassovitz, c'était pas mal non plus. Andrzej Wajda, avec qui j'ai fait un film aussi, Soldat, lève-toi. J'aimais bien les réalisateurs qui savaient ce qu'ils voulaient comme musique. Il y en a qui me disaient, fais ce que tu veux. Alors ça, c'était très embêtant parce que il m'est arrivé une fois d'arriver avec une magnifique musique et au moment où, une fois qu'elle était montée, le réalisateur me dit, Oh, je ne voyais pas du tout ça comme ça, donc on a tout refait. Hein. Bon. En général, j'aimais bien travailler, montrer des thèmes d'abord et expliquer un peu ce que je sentais. Hein. Sauf une fois où avec Peter Kassovitz, alors là, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Il devait enregistrer, je crois, le mercredi, le studio était retenu. Et le dimanche, on me téléphone, on me dit est-ce que tu peux recevoir un réalisateur demain chez toi? Je dis oui. Oui, il a besoin d'une maison de musique au mercredi. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Non, non, mais il faut qu'elle soit enregistrée mercredi. Il monte, non, il monte mercredi. Il monte mercredi. Alors, le lundi matin, il était là. On a vu le film ensemble. Il m'a montré le film. On a pris les minutages. Je suis rentré à la maison. J'ai fait 2 thèmes. J'ai fait la musique dans la journée. La copiste est venue à la maison. Le lendemain, j'étais au Théâtre des Champs-Élysées. On a enregistré la musique. C'était une réussite. Il m'a jamais fait retravailler. En vous parlant, je me rends compte, dans le fond, que j'ai tout fait dans ce métier pratiquement. J'ai même certainement fait transporter des instruments de musique, des choses pour enregistrer. Enfin, j'ai fait des tas de trucs dans ma vie. Et j'en suis très heureux d'ailleurs. Hein. Du moment qu'on le fait avec plaisir. Et notre métier, c'est quand même un métier de plaisir. Je peux même permettre. Je me permettrais de dire comme Alain Delon,
La musique, c'est le plus beau métier du monde quand on a réussi. Pendant toute cette période, j'avais mis un petit peu ma flûte de côté. C'est difficile de faire 4 ou 5 heures de flûte par jour et de composer autant de musique parce que je crois que j'en ai composé plus de 2600, c'est quand même beaucoup. Mais en 81, j'avais fait un concert avec un de mes meilleurs amis, qui était Alain Marion, qui était un grand flûtiste, il était avec Rampal considéré comme un des meilleurs flûtistes du monde. On avait été chez notre ami Evelyne Bugy à la campagne, faire un concert dans le petit village où elle habitait, s'appelait Tillard. À ce concert était venu un ami d'Evelyne, qui était un grand pianiste, chef d'orchestre. Et il se trouve que ce garçon, cette vedette en question, fait le grand échiquier. Et il devait chanter une chanson qui était un de ses plus grands succès, qui s'appelait Paris s'éveille. Le chanteur, c'était bien sûr Jacques Dutronc. Pour chanter cette chanson, il fallait un flûtiste. Ils avaient demandé au flûtiste qui avait enregistré le disque avec Dutronc de faire cette prestation, mais il n'était pas disponible. C'était un musicien classique qui jouait dans un orchestre très connu. Ils ont cherché partout quelqu'un pour le faire et ils avaient beaucoup de mal à trouver un flûtiste parce que soit c'était des saxophonistes flûtistes, parce qu'ils savaient improviser, mais un vrai flûtiste classique qui sachant improviser, il n'y en avait pas beaucoup. Et tout d'un coup, ce garçon qui s'appelle Jean-Pierre Sabar a eu l'idée il s'est souvenu qu'il m'avait entendu avec Alain Marion jouer de la flûte. Lui, il me connaissait surtout comme compositeur de musique de film. Et il m'a téléphoné, j'étais à Tel France, justement, en train de monter une série qui s'appelait Martine Verdier, qui était ce qu'on appelait série, c'était 6 fois 55 minutes. Et il me téléphone, il me dit, il faut absolument que tu viennes parce qu'on ne trouve personne pour jouer par ces règles de tronc. Je lui dis, mais écoute, je ne peux pas, je suis en montage. Et alors le réalisateur, qui s'appelait Bernard Toublan-Michel, qui a été le monsieur qui m'a donné ma grande chance à la télévision, avec qui j'ai fait un jour après jour, me dit, mais vas-y, 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 c'est bien, vas-y. Lui, il était venu à ce concert aussi, donc il savait très bien que je jouais bien de la flûte. Donc j'ai été jouer avec Dutronc et ça s'est très bien passé, à tel point que chaque fois que Dutronc, à cette époque-là, a fait des lives à la télé, chez les Carpentiers, j'ai été jouer avec lui, j'ai fait quelques émissions avec lui en live. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, c'est celui qui joue Paris c'est avec Dutronc. Alors il faut que je dise aux gens, non, non, mais moi j'ai joué à la télévision avec Dutronc, mais c'est pas moi qui ai fait le disque. Il est là, le monsieur qui joue de la flûte, là, il est là en bas. Il s'appelle Roger Bourdin. Pendant toute cette période où j'ai commencé à travailler pour l'image, un jour on m'a demandé de faire un dessin animé. Ce n'est pas exactement un dessin animé, parce que non, ce n'est pas un dessin animé. Le manège enchanté, ce sont des marionnettes. Il y avait un précédent très très connu en Pologne qui s'appelle Trinka. Et en France, il y avait un monsieur qui s'appelle Serge Danneau qui a eu un jour l'idée de faire le chien qui s'appelait Pollux et de faire des personnages et de commencer à tourner des. Et donc, c'est avec Serge Danneau que j'ai eu la chance de faire, pas les premiers, c'était ceux qui étaient en noir et blanc, j'ai fait les premiers en couleur. Les 117 premiers en couleur, films en couleur, je les ai fait avec Serge Danneau. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de faire ces deux chansons qui sont cultissimes, qui s'appellent C'est moi Pollux, et surtout le célèbre Tournicotis, Tournicoton, avec le Zébulon, que des tas de gens connaissent. Je fais un succès fou avec ça. Et donc ça a été mes premiers dessins animés, et après j'en ai fait, je crois, maintenant j'en suis à 800 dessins animés, ça je sais. Parce qu'entre Bogus, où il y avait 300 épisodes, la bande à Ovid, où il y a 65 épisodes, en fait, Le Manège Enchanté 117. Si on fait un seul dessin animé de 10 minutes, on fait une musique originale. Mais si on fait 65 fois 15 minutes, comme j'ai fait par exemple avec la bande à Ovid, on fait ce qu'on appelle une librairie musicale. Ça veut dire qu'on définit, mettons, chaque personnage a son thème. Et chaque thème, on le décline. Ça veut dire on le fait en triste, on le fait en gai, on le fait en rapide, on le fait en suspense. Tu vois, on fait 5 ou 6 ou 7 variations différentes du thème qui pourra. Alors après c'est le travail du montage. Par exemple, Ovid and the Gang, là, que vous avez là-haut, hein, ça a été 2 ans de montage.
Parce que pour monter un film de 15 minutes où il y a beaucoup de musique, il faut savoir, il faut les connaître, il faut les choisir. On travaille avec la monteuse. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Alors j'avais beaucoup appris avec Serge Danneau quand on a fait le Manège Enchanté, parce qu'il m'avait appris à faire des petits modules de 15 secondes, de 12 secondes, 10 secondes, ce qui fait que chaque phrase, il y avait toujours un petit espace qui permettait de... On pouvait démarrer au milieu du morceau, à la fin du morceau, presque le reprendre en arrière. Parce que si vous savez que le chien Pollux, ce qu'il fait dans le... Il fait pas waouh, waouh, il fait aou, aou. Et vous savez pourquoi? Ben, je vais vous le dire. Quand on cherche le son, on cherchait le son sur un endroit où on devait couper, on faisait bouger la bande d'aller-retour. Bon. Et quand on fait waouh, 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 et quand on la remonte à l'envers, ça fait aou, aou, aou. Et ils ont trouvé que c'était beaucoup plus rigolo que le chien qui parlait avec l'accent anglais. Ils ne disent pas waouh, waouh, mais ils fassent aou, aou. Vous verrez que les musiques de Manège Enchanté sont toutes faites avec des vrais instruments. C'est une vraie trompette, c'est un vrai hautbois, c'est un vrai basson. J'avais fait venir de la garde républicaine un énorme contrebasson, vous savez, le gros truc qu'on a derrière le dos. Voilà. Enfin, j'avais ça aussi dans ma bibliothèque. Ça, c'est ma période d'essai animé. Et j'en ai fait, je vous dis, 800. Il y a eu Bogus, qui était une petite série, mais 300 épisodes. Et puis la bande en vide, alors qui a été traduite en 65 langues. On a eu des awards aux États-Unis. Alors, je ne l'ai jamais su que j'avais eu des awards. Je l'ai découvert en achetant des cassettes sur Internet 20 ans plus tard. La maison d'édition que j'avais montée à l'époque de Groupe 9, je l'ai récupérée et je me suis associé avec un autre garçon qui venait d'Hachette Jeunesse. Il avait été directeur artistique d'Hachette Jeunesse. Et tous les deux, on a monté une société qui nous a fait travailler, on a continué à travailler avec Hachette Jeunesse en externe. Et donc j'ai créé un truc que après tout, beaucoup de gens ont imité. En ayant fait beaucoup de dessins animés, je me suis rendu compte que on faisait de l'illustration sonore, mais on faisait aussi du bruitage pour les dessins animés. Et je me suis aperçu un jour que quand on écoutait les gens, les comédiens ou les commentaires qu'on faisait sur et avec les bruitages et la musique, ben, il y avait des choses qu'on pouvait faire sans l'image. Donc j'ai eu l'idée de faire des enregistrements, c'est-à-dire des textes. Où on a fait entre autres tous les contes, Blanche-Neige, tous les contes on les a fait comme ça, avec derrière de la musique et des bruitages. Et j'avais appelé ça le film audio. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui le font, mais c'est moi qui l'ai créé. Et alors, après, par la suite, alors j'ai fait l'encyclopédie, Raconte-moi tout l'univers, l'encyclopédie Junior Hachette. Après, j'ai fait Les Messieurs et les Madames, vous savez, les trucs anglais. J'ai fait toute la série, j'ai fait tous les contes pour Hachette aussi. Ça veut dire que ça j'ai bossé pendant une dizaine d'années là-dessus. Quelques années plus tard, j'ai un garçon qui était un grand arrangeur, qui avait moins de travail, mais c'était un peu pour tout le monde. Quand il a commencé à avoir les auteurs, compositeurs, interprètes qui avaient tous leur équipe, certains arrangeurs avaient plus de boulot. Donc ce garçon avec qui j'avais beaucoup travaillé, il est venu travailler avec moi. Et j'ai récupéré une série qui était produite par TF1. Monsieur Bouygues venait racheter TF1 et ils n'avaient pas beaucoup de matériel. Alors, ils ont commencé à acheter un peu à droite et à gauche, mais ils ont décidé de produire eux-mêmes. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient écrire des scénarios. Ils avaient une dizaine de personnes qui écrivaient ça. Les premiers ont été tournés par Tel France, d'ailleurs. C'est d'ailleurs comme ça que je suis rentré dans le circuit. Et ils tournaient sur une journée une émission de 24 minutes. Alors ils prenaient des comédiens qui apprenaient vite, qui apprenaient bien. Il n'y avait pratiquement pas de montage à faire. C'était tourné en général sur un endroit fixe. J'ai commencé par faire le générique d'une de ces séries. Mais c'est qu'ils en ont tourné 6000. Ça a été...
Ben, ça passait 4-5 fois par jour. C'était 10 minutes de musique sur TF1. Sur le plan des droits d'auteur, c'était fastueux. Je suis rentré à la SACEM, qui était à l'époque à rue Chaptal, en 1963, sous l'égide de Michel Vauquer et de Georges Delerue, mes parrains qui étaient des sommités tous les deux. J'ai commencé à m'impliquer sérieusement au moment où j'ai travaillé avec Jacques de Marny, parce que lui, il a tout de suite été dans les instances, administrateur, président, tout ça. Bon. Et Jacques a voulu absolument que je rentre aussi un peu dans le circuit des dirigeants. Pas des dirigeants, parce qu'on n'est pas des dirigeants. Donc j'ai été président de commission pendant un certain nombre d'années, qui s'occupait de la propriété intellectuelle. Ça ne s'appelait pas exactement comme ça, mais enfin bon. Mais ce n'était pas une des commissions les plus importantes, parce que je travaillais beaucoup. Et en plus, j'avais deux filles à élever, parce que j'avais une femme qui était médecin hospitalier, qui était plus souvent à l'hôpital ou haut de garde. Et il fallait que j'élève mes filles en même temps, c'était très difficile. Donc j'ai jamais pu. Jacques aurait voulu que je sois administrateur, mais j'ai jamais pu avoir le temps parce que je ne dis pas que les administrateurs, ce sont des gens qui travaillent plus, ça ne veut pas dire ça non plus. Hein. Mais je n'avais pas suffisamment de temps pour assumer correctement les choses. Donc c'est mon côté musicien classique. Vous savez, dans le classique, on peut pas, c'est pas de l'improvisation. Classique, c'est quelque chose de très strict. Hein. Après, il y a une question d'interprétation, mais il y a une base qui est. Les notes, il faut les jouer. Hein. On ne peut pas improviser. Bon. À la SACEM, j'aurais pas pu avoir ce que je voulais. C'était, moi, je suis très strict dans tout ce que je fais dans l'existence. Et mon côté artiste, ça ne correspondait pas exactement. Mais je suis très heureux, surtout plein d'amis à la SACEM. C'est une maison formidable. Je me suis engagé surtout dans la CEG. Ça, c'est auteur, compositeur, éditeur, G. Gastronome. C'est notre société avec laquelle on fait beaucoup de choses. Et moi, pendant plusieurs années, c'est-à-dire pendant 5 ans, avec les possibilités que j'ai à Puteaux, en faisant du conseil culturel avec Madame le maire depuis des années, depuis 35 ans, j'ai organisé pendant 5 ans la journée guinguette de la SACEM dans l'île de Puteaux, où Madame le maire nous offrait le gîte, le couvert, enfin tout. C'était welcome, offert par la ville de Puteaux, grâce à Monsieur Lerèche. Et la SACEM a toujours été très contente de pouvoir profiter de cette journée pétanque grâce à la ville de Puteaux. 95% de ce que j'ai composé, j'ai financé, je suis propriétaire phonographique de mes œuvres. Ça veut dire que je payais les musiciens et les droits phonographiques m'appartiennent. Alors, la publicité, j'en ai fait beaucoup, surtout à l'époque où je travaillais avec monsieur Pema Musique, avec Georges Bacri. J'avais monté chez lui, c'est moi qui avais monté c'était un monsieur qui faisait une illustration sonore avant l'heure, et j'avais monté chez lui le département publicité. Alors j'avais une double casquette, j'étais gentil parce que faisais travailler beaucoup de copains qui avaient besoin de vivre. Et puis moi, de temps en temps, ben, j'en faisais une ou deux, enfin j'en faisais quelques-unes quand même. Je dû en faire quand même 200 ou 300 des pubs. Alors j'ai eu des récompenses à Cannes, des ours d'or. Des ours d'or, c'est, je crois, à Cannes, pour la publicité. Il hein. Faut dire en 20 secondes quelque chose. Hein. Mais quand je vois les pubs actuelles, tu entends un morceau qui commence au milieu d'une note et puis qui finit en chintant parce que c'est pas fait à la. Parce que les gens ne savent même pas monter un 30 secondes correctement ou un 20 secondes. Mais j'en ai eu qui ont duré des années, des années, des années. 20 ans, 30 ans des pubs. Du pain, du vin et du boursin. Vous avez fait avec Paul Piot. J'en ai eu une qui était très très jolie qui s'appelait la Bergère et le Bûcheron, qui était magnifique. C'était pour un fromage. De cet amour naquit un fromage, cela a duré 20 ans. Ouais, si je donnais un conseil, moi, c'est que quand on fait quelque chose, il faut pas que ça soit mercantile. Il ne faut pas tout de suite penser combien ça va me rapporter. Parce que dans nos métiers, on ne sait jamais. Thank you.
belle vie parce que j'ai réussi à vivre bien en faisant le métier que j'aimais, ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire la musique.